Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Ghost Recon Wildlands, chers amis. Donc on va aller ici, on va y aller en cross. Je sais pas si ça va être faisable, faudra passer par-dessus la montagne. Au-delà des montagnes embrumées, non loin des sombres cavernes du passé. Non, c'est pas ça? Dans l'eau bleutée, il faut aller en quête de leur palais enchanté. Non, c'est pas ça? Bon, bah tant pis, excusez-moi. Je pensais que j'avais des connaissances, de la culture. Mais non. Oh les filles! Je vous trouve, marteau! Une Lamborghini. Je vois une cible avec des pistolets mitrailleurs. Ouh ! Capitaine, on arrive à 5. Je vois deux sicarios. Fais voir où ils sont. Du côté de l'héliport. C'est joli ça aussi. Ah, je me rappelle, je l'ai survolé ce truc là. Dans l'armurerie, il y a des gens forcément. Non ? Ah bah voilà. Ça m'embête de pas avoir tout ce qu'il y a là-bas. Non. Trop loin. Il s'en va. S'il s'en va. Non, il s'en va pas. Sicario en visuel. Il a un PM devant l'entrée du bâtiment. En douceur. En douceur, en douceur, en douceur. Il y en a deux à table là. Où il y a aussi des gens lambda. Il y a des gens lambda, ok, excusez-vous. Ah, j'ai pas encore la vision thermique, c'est vrai. Personne? Salut, fille. Forme? Ok, je crois que j'ai pratiquement tout le camp. Je crois que j'ai pratiquement tout le camp. Et j'ai tout le camp. Ok. En douceur. Parce que là, ça en fait du monde. Hein. Je veux pas dire, mais... Contrôlez vos cibles. On a des civils sur zone. Réfléchissons. J'ai appelé les rebelles pour qu'ils détournent leur attention. Bien reçu, Yankee. J'envoie quelqu'un à ses coordonnées. Ce sera pas ici, ce sera dans la grande maison, je pense. Alors ? Efficace ou pas efficace ? Et voilà. C'est pas nous qui sommes traqués, pensez-y. Ce n'est pas nous. Non, non, ils savent pas. C'est pas nous. Hélico en approche. Oh ouais, alors là. L'ennemi est à l'intérieur du QG. Là. Là, je suis désolé. Le coup du... Je vais rusher, je sais qu'il est là. Et en fait, il... Bah, il nous avait pas vu, mais bon. Je trouve ça un peu dégueulasse. Ça sert à rien de faire un système de détection si c'est pour faire rusher les ennemis là où ils pensent avoir vu une mouche, quoi. C'est...
Enfin, remarque, c'est logique, il pense avoir vu quelque chose, il y rush, mais. Y a un hélico qui se pointe. Oh, tu sais quoi? Ta gueule. Ils vont nous tomber dessus dans pas longtemps. On fait quoi? T'apprendras. Un hélico qui arrive. Merde. Je rentre dans la baraque. Et c'était pas là. Dommage. Dommage, dommage. Un hélico, à terre. Je prends l'intel. C'est con parce qu'il y a de l'info ici. Ça suffit. Normas. 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 Tranquilla, Reina. Tu viens de me dire tranquilla? On me dit pas tranquilla à moi. El Pulpo, c'est un putain de comptable. Il est inoffensif. C'est vous, un hélico. El Pulpo est un expert en gestion. Non, mais l'hélico il se barre là en fait, Simon. Non, il se barre pas? Ah, je croyais. Ok, on est passé. La cuisine. Il est pas casse-couille du tout, hein, avec son hélico. Du coup, j'ai fait le tour pour rien. Parce que je n'ai pas su trouver l'hélico. Enfin, le comment, le l'ordinateur. Vive le RPG, quoi. Ça, c'est une arme. Ou alors, il était là-haut, je suis pas monté là-haut. C'est pas grave. C'est pas ça, son PC à elle. Ça non plus. Tout connement. Hop, piraté. Je hack son bureau. J'ai transféré environ 50 millions de dollars des avoirs de Nidia vers un compte qui laisse penser à Pulpo. C'est du boulot bâclé, mais ça fera illusion. Illusion. D'accord. Ok. Bien sûr. Non, il s'en va. Quoi? Bon, on y va, chers amis. On se casse. On se casse en mode beau gosse. Viens, papa. Problème résolu. Moi, je prends le bel hélico qui est ici. Il me plaît, je dois bien l'admettre. Il me plaît. Et je parle de l'hélico, hein, pas de El Pulpo. Hein. Conduire. Allez, on se casse. Ah, y a pas eu de TP là? Aïe.
Comptez me défendre. Ah, ça y est, il tire. Et tu tires avec la mitrailleuse là ou pas là? Putain, mais ils tirent à deux, nous, il n'y en a même pas un qui tire, nous, c'est la fête. Ok, on se casse, c'est pas grave. Du coup, j'ai pas vu la suite des missions, ça se passe où? Ouh, ça se passe ici. Vous allez y arriver ou pas, les filles? Allez, allez, on tire. Les filles? L'assaut! Les filles? Et il a décidé qu'il allait tirer dessus. Qui va gagner? C'est un superbe combat. Superbe duel. Et j'ai l'impression que nous sommes en train de le perdre. Non, on l'a gagné finalement. GG. Bon, nous on n'est pas en forme, hein, faut l'admettre aussi. Hein, on brûle un peu. Heureusement, il pleut, ça va éteindre l'incendie. Le petit bip qui est pas du tout bon signe normalement. Crac, allons-y. Dirigeons-nous vers la maison. La planque d'El Pulpo sans nous faire repérer. C'est toute cette région, ce sera sans nous faire repérer la base, hein, normalement. Je dis bien normalement, hein, parce que dans les faits, ça s'est pas si bien passé que ça. Merde, je m'attendais pas à ce genre de base en fait. On a un grand fort. Activité ennemie sur zone. C'est pas possible qu'il soit là. Arrêtez vos conneries. Je déploie le drone. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Ça, c'est un piège! Ce n'est pas possible que ce monsieur soit là. Cible désignée, mais attention aux civils à côté. Qu'est-ce que ce bordel? J'ai la planque de Pulpo en visuel. On n'a plus qu'à attendre qu'il sorte. Protéger El Pulpo sur le chemin. Vas-y. Non, ordonnez l'assaut. Vas-y, tire, voyez. Ok. Ils sont un peu plus violents que d'habitude. Oh la vache, ils sont taqués même. Hein. Ok. Carrément au taquet. Incroyable. Habituellement ils sont pas aussi violents, si je puis dire. Il a tout compris lui par contre. Merde. Qu'est-ce qu'il fout? Mais monte dans la bagnole, Pulpo. Voilà, c'est bien, Pulpo. Prends une bécane. T'as peut-être roulé plus vite, cela dit. C'est bien. Putain, carrément! Le mec, il a une moto, il a un hélicoptère sur le dos. Comment il va s'en sortir? Mais fais gaffe! Faut pas le tuer! Ah, il me guac même moi en fait finalement. Tu veux bien péter l'hélico s'il te plaît, merci.
Le con. Le con. Oh merde. Oh merde, j'ai fait juste à côté de lui. L'aéroport est droit devant. Continue à couvrir Poulpeau jusqu'à ce qu'il y arrive. Merde, je suis à sec. Il peut pas être plus près de l'aéroport là. Wow. J'ai pas mon. Crève, charogne. C'est bon, je l'ai eu. Poulpo. C'est bon. El obsequio. Le chapeau d'El Poulpo. Ah bah bonne chose de fait, tiens. On reste en contact. Nomade, terminé. Poulpo est tiré d'affaire, je répète, Poulpo est tiré d'affaire, on s'arrache. Vidéo disponible, on y va. Fini les excuses, file-nous notre putain d'argent et tout de suite. Nidia va s'occuper de tout. Suenio, il faut peut-être qu'on change la donne. Nidia a gagné notre confiance depuis longtemps. Un peu trop peut-être, elle a peut-être perdu la main. J'ai vu défiler bien des bouchones au fil du temps. Quand on est roi, il faut savoir perdre un ou deux cavaliers. Mais Nidia Flores était différente. Je l'avais recueillie sous mon aile quand elle était jeune. Ah, les sentiments. Elle était ce qui s'apparente le plus à une fille pour moi. C'était ma reine. Si je la sacrifiais, une partie de moi mourrait avec elle. Vous l'aurez, votre argent. C'est le rouleau, c'est promis. C'est le rouleau. Tu sais, ah oui, bien sûr. C'est la dernière chance. Tiens ta parole. Oh la vache. Alors les couilles de lui parler comme ça, dis donc. Ouais. D'accord, la reine de beauté, elle est niveau 5 en termes de difficulté, donc c'est pas pour tout de suite. Cela dit, voilà, j'aimerais un poil de... Voilà, merci. Donc, vous voyez qu'on on répand, pardon, notre influence au fur et à mesure, excusez-moi. 4-4-4-4-3. Pukara, Malka... C'est les deux nains niveau 3 qui est de ce côté-là. Il reste ici Tabacal. Ça a l'air extrêmement fleuri. Je pense que ça va bien... faire la... Comment la... Ah, merde. Bon, je vais mettre là par là, voilà, au pif. On est toujours traqué. Voilà, merci. Ça va bien faire le contraste avec cette zone-ci. Je regarde juste par rapport à où je suis si j'ai pas intérêt à aller chercher. Donc ça, c'est quoi déjà? Oh. Ça c'est quoi? Canon long pour mitrailleuse. Donc ça m'intéresse pas pour l'instant. Par contre ce truc là m'intéresserait bien. Risque d'y avoir du monde. Je vais aller le chercher avant de nous téléporter, chers amis. Salut. Salut. Ok. Salut. Comme dirait Rodog. Bon, par contre là faut pas exagérer hein. Je suis parti depuis très longtemps. Je suis toujours engagé. J'attends que ça s'arrête. On va se mettre par là. J'ai pas la bonne arme. Hop, la UG. D'ailleurs, j'ai repris le G36 tout à l'heure, par réflexe. Bon, tant pis. Charge. Personne. Et la médaille. Parfait. On s'en sort plutôt bien. Plus de munitions. Crac. Ça c'est sympa. Ouais, alors ça par contre je m'attendais un peu moins. Crac. Voilà, on passe par là. Et il n'y a plus personne. Gaston, il n'y a plus personne qui sent. Bah, ça c'est débile le son à la fin.
Bon, on est sorti, c'est ça qui compte. C'est une école. C'est quoi? Ah, c'est un espèce de... C'est une espèce de scène. Ouais, c'est le zénith de Bolivie. Oh merde. Bref, on va là, à Montepunku. Hop. Et on va se rendre dans l'autre région. De toute façon, je pense pas qu'on soit à 25 minutes. On est à 20 minutes, voilà. On a 5 minutes pour libérer... 5 minutes pour libérer une région. Boom, bitch. Non, c'est pas ça. on a 5 minutes pour visiter la région. Ça va être sympa. Ok. Viva la révolution! Moi aussi, je suis à Tropico. Ah, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, là. Deux tonneaux. Deux tonneaux. C'est toi, le tonneau, espèce de poche à vin. Enfin bon. Allons-y. Crac. On est bon. En tout cas, ça a l'air bien plus vivant que ce que je pensais. Tabacal, environnement complexe au sein d'une jungle luxuriante. Effectivement, c'est... Cela me semble bien plus... Je vais quand même visiter les choses de manière sensée, si cela ne dérange personne. Voilà. Ok, on est bon. Waouh, regardez ça. Regardez ça, c'est tout vert et là-bas, c'est orange. C'est complètement différent. Si ça, c'est pas super. Tabacal Alpha, partie nord, un point de rendez-vous. D'accord, j'ai débloqué un point de rendez-vous qui était ici, effectivement. D'accord. Pourquoi pas. Par contre, les intels sur roue, ça, c'est casse-couille, ça, comme principe. Parce que moi j'ai plus l'habitude de péter les voitures que de les arrêter quoi, c'est ça le truc, c'est dommage. il me manque un talent à mon avis. Ok. Après je pourrais revenir et faire le tour. En fait c'est dans une vallée, c'est ça? C'est simplement dans la vallée, c'est... Oh la 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 dans la vallée, oh j'ai pu entendre les échos. Vous vous rappelez de ça? Bah non, peut-être certains d'entre vous sont peut-être un petit peu trop jeunes pour ça. Mais ça, c'est juste la vallée en fait. Intéressant. Moi, ça me plaît. Par principe, ça me plaît. Ancienne gare de marchandises d'Ilapa Café. Je connais pas Ilapa Café. C'est bien trop ordonné là-bas pour que ce soit normal. Ça serait bien un camp militaire, un aéroport militaire peut-être. On n'est pas allé encore dans cet endroit-là. Attendez, faut que je regarde où est-ce que je le vois normalement. Je suis où? Je suis là. Si ce serait ça? Non, je sais pas. C'est de suivre les cartes, mais j'en chie. Regardez, là je le regarde. Là précisément, je le regarde. Donc c'est ce qu'il y a ici, effectivement. Ce serait bien ça. Pour moi, ça ressemble à une piste d'atterrissage. Hein. Je veux pas dire, hein, mais. Ok, par là. Ah non, c'est pas que la vallée, il y a aussi toute la montagne. Ok. Cool, 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 cool. Eh ben, on va crever dans les montagnes, hein, je veux pas dire, mais ça va sans doute arriver plus d'une fois. Hein. Convoi alimentaire, ouais. Effectivement, il a même plutôt bien gardé. Il y a un checkpoint en bas. Me frappe pas la foudre, s'il te plaît, merci. En dehors de ça, c'est une région qui est quand même très très différente, une fois de plus, des autres, hein, je veux pas dire. Ah, le jeu est fluide. Je suis en train de penser à ça, le jeu est fluide, et puis là, bim, lag. Ok, dans ta gueule, Marcus. T'apprendras à ouvrir ta bouche. Ok. Bon, on est bon. On a presque tout visité. Presque. Ok. Bon, bah y a du boulot encore.
Ce serait bien un camp à nous, ça, non? Ça y ressemble vaguement. Ouais, voilà, ça en est à nous. Ok. Bon. On va se mettre au plus près de cette ville, même si... Non, ceux-là et ceux-là sont dans des maisons, donc c'est bon. Je peux y aller comme ça. Bah non, je vais y aller en parachutage. Je suis con. Je suis juste à côté. Hop! Et c'est la fête. On va se faire ces deux intels là. On arrive à Tabacal. Tu nous briefes? Tabacal était autrefois un important producteur de café. Mais ces dernières années, la Santa Blanca a forcé les cultivateurs à se reconvertir en cocaleros, qui travaillent exclusivement pour le cartel. Qui est notre cible? La Madre Coca, une taulière qui terrifie les cocaleros. Matez la vidéo. Oh, pour une fois que j'y arrive. Vous allez capter pourquoi. Tabacal, c'est un peu son mini cartel, rien qu'à elle. Elle gère la production des feuilles, la distribution par camion et par train. Surtout la sécurité pour mater les cocaleros et pour protéger les convois. Je comprends mieux. Avec une poigne de fer. Je suis en contact avec un petit groupe de rebelles. Ils disent vouloir nous aider à combattre le cartel si nous prouvons nos bonnes intentions. Ouais, mais comment on les prouve? Vous pouvez faire deux choses pour gagner leur confiance. D'abord, un petit vieux nommé Chavez incite les cocaleros à se révolter contre le cartel. Il doit faire un speech devant eux à la coopérative agricole. Trouvez-le et protégez-le. Quoi d'autre? D'après mes sources, le cartel n'a qu'un seul fournisseur de coca dans la province. Tendez-leur un piège quand ils viendront s'approvisionner. Ça motivera les cocaleros tout en perturbant la production de la Madre Coca. Couche-toi, ils vont te voir. Ok. On va regarder la vidéo, chers amis. Hop, vidéo. Hop, c'est bon. Alors, à quoi il ressemble? Ruperta Faro. D'accord. Avant, on cultivait le café à Tabacal. Mais ça, c'était avant. La coca, c'est nettement plus rentable. Essayez de sniffer de l'arabica et vous comprendrez. Attention, non. Vu dans les coffee shops. Le faites pas. Conseil, évitez. La Madre Coca a d'abord été Raspachina. C'est comme ça qu'on appelle une cueilleuse de coca. Dans les plantations de coca illégales, on n'est jamais trop jeune pour commencer à se niquer le dos. Elle a eu un fils, elle espérait lui offrir une vie meilleure. Peine perdue. Le jeune Pablo est mort d'une overdose de coke. Ah d'accord. Vie, qu'est-ce que ça fait de récolter pile le produit qui a tué votre fils? Après, ça aide pas. Pareil, la plupart des gens auraient changé de voix. Mais non. Pas la Madre Coca, bien au contraire. Elle s'est juste défoulée sur les habitants de Tabacal en leur faisant subir les mêmes sévices qu'elle avait endurées. C'est pute. Et comme tout bon tyran, elle a étendu son empire. D'où une certaine grogne des habitants. Qu'elle a réprimée. Oh la vache. Avec le soutien d'El Yayo, elle a gagné énormément d'influence. Comme quoi, faut pas venir la faire chier. Notre mère courage. Ouais. Eh ben on n'est pas aidé. On n'est pas aidé. Bon, je continue ma mission. Si ça dérange personne. Ah non, je suis désolé, tu me regardes, tu me vois pas dans ton dos. Tu ne me... Ah putain, il a changé de position, l'autre con. Attends, j'arrive. Attends, te barre pas. Putain, je veux te parler. Putain. Ah mais t'es un méchant en fait. Oh. Tiens, viens par là, regarde. Dis-moi où sont les points de compétence. Je vais tout dire. Très bien. Merci. Voilà. Il y en avait un deuxième normalement. Là. Voilà. Crac. Côté de l'autoroute. Ça va pas m'aider ça encore, je le sens bien. Hop. Toujours marcher sur le trottoir, chers amis. Toujours. J'ai pas pensé à regarder à droite à gauche, mais c'est pas grave. De toute façon, vu la circulation qu'il y a dans ce pays, c'est pas un immense problème. Par contre, du coup... Qu'est-ce que tu foutais? Bah, je parlais à mes abos.
Désolé. Bonjour. Hola, ¿qué tal? Les armements. Vous auriez des trucs à me dire sur le cartel ou les sicarios? Gracias, bonne chance. T'en as trop dit. Pardon. Lieu inconnu, c'est pas le lieu qui m'intéresse, c'est l'arme. Le P12, d'accord. Parfait. Et la deuxième, là. La K12. Version moderne et agressive de la K47. D'accord. À ce côté de ça, est-ce qu'on a des cross à table pour PM? Il n'y a que des armes, que des améliorations et des trucs pour le PM. PM, ça me pète les couilles. PM. Fusil d'assaut, ça y est, un truc. Ça, je l'ai pris, ça, ou pas? Je l'ai pas vu. P12, 1, 2. 1, 2, 3, 4. Et bon, donc il n'y a que des trucs pour le PM, ici, encore une fois. Et c'est casse-couille, à part le P12. T'as vu quoi? On va aller se le chercher, le P12. Fuck it. Fuck les 25 ou 30 minutes. On va se chercher le P12. Il n'y a pas une motobillette dans le coin, hein, ou... Ok. On va reprendre ça. Hop, on est parti. J'ai cru voir une motobillette, il tourne pas. Désolé l'arbre. Alors ce qu'il faut savoir c'est que là quand il a fait de la ligne droite pour revenir sur la route, j'étais déjà en train de tourner moi. Donc il y a un truc avec ce véhicule encore. Allons-y. C'est pas très 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 loin cela dit. Je peux vous dire que j'en chie à le faire tourner. Hein. Ok, on y est presque. Il y a un petit bout de terre, sinon je vais pas pouvoir passer. J'ai eu peur qu'il y ait le train, je l'avoue. Drone actif. Cible prioritaire. J'envoie un sicario haut gradé à Budney. Orientation de carrière. Appréhender et éliminer le sicario. Lequel? Ah, celui-là. D'accord. Ça fait quand même beaucoup de monde là pour le coup. Hein. Sans vouloir vous vexer, les filles. D'accord. Il y en a un que j'ai pas encore repéré dans le tas. Faut que je me dépêche de le trouver. Merde, je l'ai assassiné! Quel con! Quel con! Chaque fois que je fais ça, j'appuie sur le trick pour le prendre. Quoi? Mais c'est comme l'autre qui est censé être là, là, je le vois pas. Putain, il est là. Le mec il parlait tout seul. Je suis mauvais. Avec une souris, ce serait tellement mieux passé. Bon, par contre, j'ai buté le mec, quoi. C'est. Ok, bon, on a le flingue. Le P12. Je suis curieux d'aller voir à quoi ça ressemble, ça. Bah, il ressemble juste exactement au mien, quoi.
C'est pas chiant du tout. Ah oui, c'est vrai, non, le viseur tactique, le viseur laser, il est bugué. Ok, et donc en termes de perf, ah, il est plus précis, il est moins maniable, par contre. Et moins, plus silencieux. Bah, je vais prendre celui-là alors. Tant pis. Bon, je dois reconnaître que ça me pète un peu les couilles d'avoir buté le mec. À chaque fois, ça m'arrive et à chaque fois, je me fais avoir. Mais bon, c'est pas grave. On va se téléporter ici à Tabacal Alpha. Et on va se laisser là pour cet épisode, les amis. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yo!